Du peuple, mais on ne dit
doit être un visionnaire, savoir aussi contester la plus grande opinion, même s'il est seul, même s'il n'est pas compris, mais être libre, libre d'écouter. Si vous optez pour telle voie, sachez qu'il y a un ravin qui vous attend là-bas. Il faut plutôt faire ça, 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 ça. Il faut avoir ce courage-là. Mais si le peuple se lève parce qu'ils sont, parce que la population est en liesse et toi aussi, tu te laisses entraîner, quand tu serais devant un grand fossé, cette population, cette même population qui voulait effectivement vous dévancer, c'est cette même population qui reviendra vous dire qu'allons-nous faire. Donc, il faut que le leader soit un visionnaire pour savoir que c'est vrai que vous voulez faire ça, c'est parce que vous êtes animé par un esprit ou révanchard ou je ne sais comment, mais moi je trouve que c'est pas cette voie-là. Il faut donner des arguments pour convaincre. Moi je pense que sa question n'était pas aussi claire que ça. Il voulait dire ceci, à mon entendement. Il voulait dire ceci, là nous partons pour une situation administrative, mais de manière... Nous sommes administratifs, nous sommes politiques. Oui. Oui. Effectivement, par rapport au temps qui court, s'il y a un petit mouvement dans le sens où l'accueil devient plus chaleureux que ce que nous attendons, quelle serait votre réaction? Et qu'est-ce que vous direz à la population? Soulever l'aspect politique, c'est dans le sens où les Écoute, gens... Écoute, de toutes les façons, que ce soit dans toutes les institutions, il y a le niveau stratégique, c'est le politique. Il y a le niveau opérationnel, il y a le niveau tactique. Donc, le niveau opérationnel, c'est le niveau technique. Moi, je ne vais pas en tant que technicien, je vais en tant que politique. Donc, ça veut dire que j'embrasse tout, tout à la fois. Donc, je m'attends toujours à tout. Donc, je dois avoir les variantes. Si ça arrive comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Un mot d'apaisement pour la population. Un mot d'apaisement, pourquoi apaiser? Parce qu'en fait, on ne doit pas aussi, comme vous avez dit, s'emporter. Il faut d'abord laisser faire, parce que c'est pas bien. Il faut d'abord les laisser faire. On entre toujours avec les mots, mais c'est possible. Hein? Ah, possible. Ah oui. Il peut arriver. Révérend pasteur Nkomi à Pointe-Noire. Oui. Et non, c'est pas le politique. Là, il fait l'essence. Moi, je vais répéter une chose. Mm-hmm. Le chef a dit que dans n'importe quelle chose, il faut être visionnaire. Mm-hmm. Le peuple se lève. Mm-hmm. Dans sa vision, il a déjà, comme vous direz, fait déjà la prospective. Comme on dit, par anticipation, mm-hmm. il a déjà vu certains schémas. Mm-hmm. Et il a les variantes. Mais en temps, il y a quelque chose qui arrive. Mais tiens, ça c'est la proposition. Il commence à raisonner, à analyser. Est-ce que s'il faut laisser faire jusqu'au bout, est-ce que vraiment on est gagnant? Si oui, il laisse faire, mais tout en faisant passer un message. Donc pour canaliser cette énergie. Ouais. Mais si ce n'est pas dans le sens souhaité, à ce moment-là, il laisse courir un moment donné, comme on le dit en management, on peut avancer dans le désordre, mais après il faut rétablir l'ordre. Autrement dit, pour ne pas laisser que le peuple arrive jusqu'au niveau du fossé où on va dire, nous sommes devant le fossé, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, il ne fallait pas laisser les gens aller jusqu'au niveau du fossé, il fallait plutôt les arrêter vraiment à une distance raisonnable. Il y a un moment où on ne contrôle plus les gens, vous savez. La foule est gagnée. Effectivement, quand vous les laissez évoluer fait avec... un moment, ils font pire. Parce que effectivement, nous sommes des terriens. S'ils font pire, ça va plus les éduquer que quand vous aurez dit en avant que voilà, ne faites pas. Est-ce que quelque part, vous ne voulez pas dire que si seulement cela arrivait, est-ce que serions-nous comptables de ce qui va arriver? Est-ce que c'est dans sens-là? Non, du tout, non. Non, ne sera pas comptable. Non, du tout. Ok. En fait, le problème, c'est lequel? Ce qu'ils ont... Excusez-moi, ça, c'est pas... Il faut pas que ça soit vu et entendu par d'autres personnes. Il faut vous attendre que ce soit les efforts que vous allez fournir, mais après ça finira toujours par exploser, par déclencher. Maintenant, il faut maintenant voir si on est intelligent, les acteurs, effectivement, qui
ou cette opinion-là à un assentiment. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez causé du tort à quelqu'un, et que ce soit vous qui allez vers lui, c'est difficile qu'il vous reçoive. Il faut peut-être passer par une personne intermédiaire qui va négocier. Non, écoutez, calmez-vous. Bon, nous allons voir ça. Quand c'est la personne elle-même, c'est-à-dire celle qui vous a culpabilisé, qui vient devant vous, ça vous échauffe. Ça vous échauffe encore. Et puis, donc, ça veut dire que ceux-là qui sont là devraient réellement profiter de cette opération que nous avons faite. Pour que nous apportions l'apaisement et qu'on trouve une solution politique aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, écoutez, la situation ne peut se résoudre politiquement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, il y a un mandat qui est là. Est-ce qu'il faut remettre en cause ce qui a été fait pour mettre les structures consensuelles ou de transition ou de voilà. Donc, on arrive dans cette phase-là. Mais sinon, dès que ce soit seulement vous qui voulez toujours assujettir les gens pour vous arriverez toujours à un ras-le-bol. Un ras-le-bol. C'est comme à l'état pour ça. La vérité, elle fera toujours triompher. Monsieur
le ministre, lieutenant Gadongo Dominique, chef du commissariat spécial de section.